Oh là là, je suis démoché, nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour sur le spécial Halloween 2024, A Witch. Alors, c'est un jeu d'horreur sorti en 2010 et c'est un jeu que je m'en souviens encore aujourd'hui. Bon, je me souviens pas complètement de tout, mais je peux dire que je sais déjà que il y a deux choses. Pour ceux qui savent, bah vous pouvez déjà dire que oui, je connais bien le jeu. Mais par contre, à part ces deux choses, bah je me rappelle plus du tout du jeu. Je crois que c'est un jeu de... Bah déjà, un jeu d'horreur, hein, c'est déjà bien pour Halloween. Mais c'est un jeu d'énigmes, de casse-tête. On va voir ça. Alors, j'ai vu un peu les contrôles. Et j'ai pas de retour comment dire, la capture de la vidéo. Par simple et bonne raison, c'est que le jeu, bah pour moi là, il est en plein écran. Pour moi, il est étiré, mais pour vous, il est en carré. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de la mettre en fenêtrée, je peux pas. Et si je quitte, enfin si je fais un retour Windows, le jeu il crache. Du coup, le jeu il est optimisé, bah comme à l'époque, quoi. Du coup, on va faire comme ça. Je vais. Si la vidéo est mal faite, bah je suis désolé. Du coup, alors l'exit il est en haut. Alors on va aller voir l'exit ou bien on va aller voir déjà ce qui ressemble à une cuisine. C'est un jeu d'horreur, hein, ça fait peur. Mais déjà là on voit que dalle. De loin, j'avais même pas vu qu'il y avait un cœur, tu vois. On entend un cœur battre. Ah, ok, c'est là les contrôles. Et du coup, oui, là il dit qu'on peut interagir. Ok, ça s'interagit comme ça, d'accord. Alors je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je cherche? En tout cas, tu veux que je le cherche. Ah, ok, c'est pour ça qu'il faut s'accroupir. D'accord. Par contre, on entend toujours le cœur battre, hein. Non, il n'y a personne derrière nous. Après, qui dit jeu de l'époque dit forcément des trucs bâtards de l'époque, hein. Des toilettes. Tout simplement des toilettes. Par contre, il y a quelque chose. Le numéro 3. Ah, bah c'est tombé. Tombé dans ça. Faut trouver un moyen de l'ouvrir. Bon, allez, on va aller à la sortie. Apparemment, ce n'est pas la sortie. Alors, justement, c'était le numéro 3 qu'on avait perdu. Une forme extrêmement bizarre. Du coup, bien évidemment, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ok, super, génial. Alors, ai-je raté un truc dès le départ? Ce qui est extrêmement probable. Ah non, c'est là la sortie. D'accord. Ah, on entend les oiseaux. On entend les oiseaux. Ok. J'ai raté un truc. Dès le départ. Génial. Ah bah oui, je regarde pas en l'air aussi. Débile. Bah voilà. Fallait juste regarder en l'air. Et il n'y a rien d'autre. Ok, super. Bon, on a la clé numéro 1. Nous montons les escaliers. Bonjour. Alors, une personne plus une clé, ça ouvre une porte, mais il n'est pas égal à une clé plus deux personnes.
Bon, là, il doit avoir un truc, parce que sinon, on est encore perdu pendant des heures. On est encore perdu pendant des heures, c'est génial, hein? Vous trouvez pas? D'ailleurs, le créateur de ce jeu, il avait fait un autre jeu qui m'a étonné. C'est un jeu avec un Mince. Tomogachi. Ouais, bah, vous saurez de quoi je parle. Tomogachi avec Marina de Splatoon. Et apparemment, c'est un jeu d'horreur. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Bon, écoutez, là j'ai un problème. Parce que là, il me dit pour ouvrir une porte, il faut que je trouve la clé, d'accord. Mais pourquoi tu me parles de deux personnes en fait? T'es extrêmement marrant le jeu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, on n'avait rien trouvé. Non, mais forcément, il y a un truc. Forcément qu'il y a un truc. Je suis pas venu là pour rien du tout. Rien dans les casiers. Je dois le prendre comment là? Ah, j'ai cru un instant, j'ai entendu un bruit qui n'était pas similaire à ce que j'entendais à la base. Aveugle man, je suis aveugle man. Ah, vous êtes là. Bonjour. La clé. Ah. Alors, si je veux la clé, faut soit que je lui apporte la tête ou le cœur. Ah, vous me suivez? Ou bien vous vous êtes approché sans que je m'en rende compte. Ah ah. Ah, j'avais. Ok. J'avais complètement oublié que si je me retourne. Oh la vache. Et vous êtes va vous êtes vachement proche. Putain. Du coup, à chaque fois que je vais me retourner. Oh, c'est horrible. Vous êtes horrible, madame. Horrible. Oui, crunch. Je cherchais, madame, en fait. Cherchais, tout simplement. Du coup, je peux pas avoir la clé. Vous allez me suivre pendant des années. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, non, mais par contre, si à chaque fois vous me faites ça, ça va être horrible, en fait. Ok. Ah non, c'est... Ah non, vous m'indiquez. Vous m'indiquez? Ou bien c'est... Madame? Je comprends pas. Vous êtes là? Alors, ici, il y a votre cœur, madame. Madame? Vous êtes en haut, madame? Vous êtes là. Du coup, ça marche toujours pas, madame. Madame, je vais vous rentrer dedans. Bon, du coup, trouver. Trouver. Ok, on y est. On va avoir la clé numéro 3. On va avoir ce que on était venu chercher. Bonjour, madame. Je vous rentre dedans.
comme je le fais tout le temps. On va libérer la clé. Hop, clé numéro 3, hop. Comme c'est simple le jeu, je vais aller ouvrir la porte numéro 3. Et derrière la porte numéro 3, nous aurons, bah, je pense, la clé pour la tête. Madame. Vous êtes là. Non. Oui. Alors, voyons voir. Ah, c'est pour la tête, effectivement. Créé par Mike Inel. Après, vous avez toutes les informations. Madame, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Veuillez me suivre. Il est où votre tête? Non, les toilettes. C'est quand même honteux, hein, l'avoir mis dans les toilettes, madame. Bah, vous le prenez? Madame? Vous le prenez? Madame? Ah, voilà. Ah bah non, faut deux personnes, madame. Enfin, non, il ne faut pas qu'il y ait deux personnes. Madame, il ne faut pas qu'il y ait deux personnes, c'est simple. Vous comprenez, madame? Il faut pas qu'il y ait deux personnes. Il faut qu'il y ait qu'une seule personne. Bien évidemment, vous allez vous sacrifier parce que je vous ai aidé, je suis une personne gentille. Ah ça, c'est vilain, madame. Ah non, ça, c'est pas gentil. Oh, c'était sûr. Apparemment, elle est déchaînée, hein. Vous savez, hein, il fallait juste le planter dans le cœur, c'était bon, hein. Ah, elle est vénère, hein. Je sais pas qu'est-ce que je lui ai fait, hein. Je lui ai juste remis sa tête. Bon, du coup, je suis mort. Du coup, il y a une seule personne qui reste. Elle peut partir. Bah merci d'avoir joué à Witch. Mais bien évidemment que c'est pas terminé. Parce que comme je l'ai dit au début, il y a deux choses. On relance le jeu. Il y a deux choses. Bon, on connaît super bien le jeu. Speedrun. Non, mais là, j'annonce. Speedrun. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Hop, speedrun. Regardez-moi cette vitesse incroyable. Putain, et dire que les clés, ils étaient juste là. Mais c'était logique, hein, bien évidemment que c'était logique. Bonjour madame. Vous vous rappelez, vous m'avez tué. Exit. Donnez-moi exit, madame. M'en fous. Je vous rentre dedans. Je vous rentre dedans. Ah, peut-être qu'elle m'a tué aussi, justement parce que je lui ai rentré dedans beaucoup trop de fois. Hein. C'est très probable. C'est très probable, justement. Alors, déjà. Non, la clé est tombée. J'ai récupéré la clé. Alors, de souvenir. Mais le souvenir, il date de 14 ans, quand même. Le souvenir, il date de 14 ans. Je crois savoir comment avoir le cœur. Bah ça va, je me rappelle bien.
Je me rappelle extrêmement bien du jeu. Après 14 ans. Après 14 ans, je me rappelle encore de ça. C'est dingue. Ah, vous êtes là, madame. Allez chercher votre cœur. Allons à la sortie. Mais à la sortie d'ici ou en haut? Ouais, non, il n'y a que la sortie en haut. Bon, par contre, vous essayez encore d'ouvrir cette porte par vous-même, hein. Vous êtes vraiment pressé, hein. C'est pas possible. Madame, faut arrêter d'être pressé comme ça, hein. Une fois, c'est bon, pas deux. Oh. Non, mais... Et il faut toujours une personne, hein. Comme vous l'avez compris, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui survive. Alors je vous propose que vous vous suicidez parce que bon, assez joué quoi. Voilà, merci. Vous comprenez ce que je voulais dire, hein. C'est un bout de moment, faut se suicider, c'est faut me laisser, faut me laisser aller. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis resté bloqué là. Voilà, c'est mérité après ce que j'ai subi, hein. Et après 14 ans, je me rappelle encore de ce jeu, hein. C'est tellement que ce jeu, il m'a marqué. Moi, je le trouve incroyable, le jeu. Court, mais extrêmement efficace. Il se fait en 2 minutes, le machin, quand tu connais les clés. Et voilà. Bon, c'était sympa. On va aller voir le Tomodachi, hein. On va aller voir ça. Et nous revoilà sur Pet Marie par le même développeur que Witch. Du coup, let's go. C'est un jeu d'horreur, hein, vous inquiétez pas, spécial Halloween 2024, vous savez, hein, c'est marrant. Alors, je sais pas si on peut faire un truc à côté. Par exemple, un petit code ou pas. Alors le son, hein, y a pas de son de base, hein, il n'y a pas de bruitage, etc. Du coup, je vais vous mettre un son en arrière-plan. Mais c'est sympa. Du coup, qu'est-ce que ça fait le bouton? On est mort. On s'est fait éliminer. Et l'autre, il nous taunte. Ok, super. Le bouton du gauche. Ah, ok, c'est pour choisir. Ok, du coup, on avait choisi le combat. On était nul. Du coup, on va donner à manger. Avec une énorme part de pizza qui fait 2 fois sa taille. Le poisson pourri. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'elle vient juste de faire. Et ça, c'est du soda. Elle est bourrée. Et si elle combat en étant bourrée? Ah. Elle dort. Du sport? Elle dort. Au lit? Elle dort. Logique. Tu dois aller chier. Elle fait sa petite chasse, tranquille. Ok. L'entraînement. Of to be strong! Oh, elle est costaud, elle est costaud. Maintenant, c'est elle tape. Elle va gagner. Tu t'es entraîné tout. Tu t'es entraîné pour ça. Il y a encore une toute. T'es fatigué. Va dormir. Ok. Ok, on peut skip. C'est quand même une bonne chose. Rebois. T'as l'air blasé. Ah. Quoi?
Pardon? Mais... Ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'on n'a pas de bruitage. Du coup, je sais absolument pas qu'est-ce qui se passe. Tu m'as fait boire de la coke. Je veux ma bépi. Oh putain, je peux bouger. Mais... Oui. Non. Mais tu veux que je fasse quoi? Je peux rien faire. Elle va me... Tu vas me tuer? À l'aide? Non, je suis caché! Caché! Tu peux rien faire! C'est horrible. Bon, vas-y, tue-moi. Wouhou! J'ai esquivé comme un badass. Bah, je pars. Au revoir. On peut pas partir? Tain, tain, tain. Au secours! I will die. Alors, non. Alors, par contre, là, tu m'as complètement raté. J'ai même pas esquivé. Alors attends, vas-y. Non mais c'est incroyable. Comment je pouvais m'attendre à ça? Non mais c'est dingue, attendez. C'est dingue. C'est incroyable. Get café pote. Est-ce que je peux crunch comme dans Witch? Et non mais c'est quand même incroyable. Ah non mais ah ça m'a fait peur quand je pouvais bouger dans la maison, je me suis dit oh merde. Mais je peux. Pourquoi je. C'est pour la balancer? Pour la balancer sur elle? Merde, j'ai raté. J'ai raté. Ça a rien fait? ça a rien fait du tout en fait. T'es où? T'es où? Ah t'es là, t'es là-bas. Ok. Viens là, viens là, viens là, viens là. Je peux rien faire. Non, ça fait rien. Ça fait rien, je peux rien faire. Pélou! Putain, je vois que dalle. Je vois que dalle avec le coussin. Non, ça fait rien. Ça fait rien, je peux rien faire de plus. Ah, elle est là. Bah voilà, tu l'as. Et du coup, je peux vivre? Ah, ça, c'est pour une suite? Ou bien, vu qu'on a eu Marie, on va avoir l'autre? Comment ça se finit? Maintenant qu'elle est contente, je peux sortir? Je dégage de cette maison maudite? C'est ça?
Bah, ok. Bah, je pense que le jeu est fini en fait. Ok, bah c'était sympa. Ah, en vrai. Et en vrai. En vrai, il m'a surpris. En vrai, je m'étais dit, mais en fait, le truc d'horreur, c'est que sur le petit Tomodachi là, on va avoir Marie qui va se faire tuer irréel. Mais en fait, non, c'est que elle se vénère et c'est elle qui va nous tuer, quoi, dans la vraie vie. C'est quand même dingue. Bon. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Hein. C'était génial, hein. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi? Folle. Vous êtes complètement folle. Mais faut arrêter. Bon, on va s'arrêter là. Je vais vous dire. À la prochaine. À ciao ciao.